Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'épistémologie et de préjugés communs à l'égard de la rationalité et de la logique. Alors, l'épistémologie, c'est une branche de la philosophie qui traite de la connaissance. L'épistémologie traite de notions en rapport avec la connaissance au sens large, c'est-à-dire de la connaissance ordinaire, la croyance, la foi, ou des termes plus reliés au savoir formel comme les théories, la science, l'induction, la déduction, les modèles mathématiques, et bien sûr les notions de fausseté, de vérité, et bien d'autres. Il existe plusieurs grandes questions en épistémologie. La première est celle de la connaissance elle-même. On procède à une sorte d'analyse systématique de la connaissance, et en particulier de sa structure. Toutes les connaissances qu'on appelle en fait propositions, qu'elles soient basées sur la perception, le raisonnement ou autre, ont une structure qu'on va voir aujourd'hui. Une autre grande question traite de la question des origines de la connaissance. Est-ce que la connaissance provient de l'expérience? Ce serait inné, Par exemple, pour cette question, vous pouvez voir dans toute l'histoire de la philosophie plusieurs courants qui traversent l'histoire de la pensée et qui se caractérisent seulement par une position prise à l'égard de cette question. Par exemple, pour l'origine, on aura l'empirisme. L'empirisme, c'est un courant de pensée qui considère que la connaissance provient de l'expérience. Cela s'oppose par exemple au rationalisme, d'après lequel on a une forme de connaissance ou des concepts a priori qui nous permettent de développer des connaissances à l'occasion de l'expérience, mais l'expérience est secondaire. Alors, en plus de divers axes de recherche, j'en ai cité que deux, mais il y en a d'autres, on a surtout deux approches complémentaires. L'une est descriptive, c'est-à-dire elle cherche à expliquer comment l'esprit développe des connaissances. Dans le prolongement de cette approche épistémologique, on a toutes les sciences dites de l'esprit, c'est-à-dire la psychologie, cognitive ou pas, les neurosciences, les sciences cognitives, et depuis peu, je dirais qu'on a même l'informatique et l'intelligence artificielle, dans la mesure où, au départ, ce sont des disciplines qui simulent, qui imitent l'esprit. L'intelligence artificielle a aussi une dimension épistémologique, très très forte d'ailleurs. L'autre approche qui est complémentaire à celle-ci, c'est l'approche normative. Elle s'occupe beaucoup plus de savoir comment il devrait fonctionner pour développer des connaissances. Dans le prolongement de cette approche, on a la logique, bien sûr, et on a les mathématiques. Et on pourrait aussi avoir certaines branches de l'intelligence artificielle et de l'informatique. Dans la mesure où ils cherchent à optimiser des algorithmes et des processus qu'on pourrait qualifier de mentaux, en tout cas de traitement de l'information. Donc, il faut savoir que l'épistémologie est aussi ancienne que la science et la philosophie. Et partout à travers l'histoire, on trouve des figures associées à ces questionnements. Beaucoup de découvertes en physique et en informatique, mathématiques, vont donner lieu à un renouvellement très très important dans l'épistémologie et à des développements très intéressants. Et là, je cite par exemple Gödel, qui est très, très célèbre pour son théorème et pour tous les travaux qu'il a fait en fondement des mathématiques. Alors, je vous ai dit que j'allais vous parler d'un certain préjugé à l'égard de la rationalité et de la croyance. Donc, le préjugé numéro 1 porte sur l'opposition
entre la rationalité et la croyance. Et donc, je vais prendre une situation fictive qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est Théo. Voici Théo, c'est un jeune diplômé en études d'informatique. Et il est très brillant, c'est le meilleur de sa promotion. Et il se considère évidemment comme quelqu'un de rationnel. Donc il est pour le raisonnement logique et il a une certaine aversion, voire même un certain mépris pour la croyance en général, dans la mesure où il considère qu'elles sont irrationnelles, non scientifiques, et ne peuvent que mener à des conclusions fausses. Donc Théo a un jeune ami qui s'appelle Al, qui est moins doué que lui en informatique, hein, mais qui est dans la même promotion et ils s'entendent très bien tous les deux. Et Al est beaucoup moins sûr de lui, il pose beaucoup de questions, c'est plutôt un tempérament sceptique. Et il pose souvent des questions de ce type à son ami Théo. Et par exemple, donc, est-ce que tu penses que les protons, les galaxies ou les ondes gravitationnelles existent vraiment ? Théo, bien sûr, évidemment qu'elles existent, c'est une question idiote. Mais ça ne décourage pas, en tout cas ça ne satisfait pas du tout Al qui lui demande « Mais comment est-ce que tu sais que ces entités existent ?» Ou plus exactement, toi qui, en tant que penseur rationnel, est-ce que tu sais démontrer leur existence rationnellement ? Alors, c'est une question plutôt embarrassante pour notre ami Théo, déjà parce qu'en fait, il est plutôt spécialisé en informatique, il connaît très très bien son domaine, et aux maths appliquées à l'informatique, mais il connaît très peu de physique en réalité, cosmologie, modèles, physique quantique, ça, il connaît pas tant que ça. Et en réalité, la plupart d'entre nous, hein, qui nous considérons comme rationnels, sont tout aussi incapables de répondre à ces questions. La plupart de nos sources, c'est peut-être un professeur, enfin, un enseignant au lycée, un professeur à l'université, ou tout simplement la presse, les réseaux sociaux, Internet, la plupart d'entre nous n'avons jamais eu l'occasion de démontrer l'existence d'un proton, ni même de savoir comment on met en évidence, comment on démontre leur existence. Par conséquent, bien qu'on est très familier avec cette notion, on la voit partout, on l'entend tout le temps, et on ne remet pas du tout en question son existence. Et en réalité, il est beaucoup plus correct de dire qu'on croit en son existence. Et la même chose s'applique pour quantité de choses, hein, que ce soit des faits historiques ou des événements économiques, voire même des modèles économiques, ou tout simplement des choses que l'on croit à l'égard des autres qui nous entourent et la société. Et en fait, c'est très bien comme ça, c'est aussi bien que possible en réalité, parce qu'il est techniquement impossible, il est matériellement impossible de réinventer la roue tous les jours et d'étudier et de démontrer toutes les thèses qu'on entend chaque jour. La plupart du temps, on doit se fier, on préfère se fier à l'opinion de quelqu'un que l'on considère de confiance, c'est-à-dire que l'on considère compétent et fiable sur cette question. En fait, tout cela est très normal et on ne peut pas vraiment faire autrement. Il faudrait simplement garder à l'esprit certains points. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup plus de croyances dans notre connaissance, entre guillemets, hein, que ce que l'on pense, hein, que ce qu'on est même prêt à accepter, à reconnaître. Si on creuse un petit peu, on voit que beaucoup de ces dites connaissances
reposent ou sont articulées ou dépendent de choses très incertaines. En tout cas, qu'on ne sait pas démontrer rationnellement et pour lesquelles on n'a pas de certitude. Et le fait d'utiliser une terminologie scientifique ne fait pas de nous des personnes plus rationnelles ou plus scientifiques que des gens qui ne les utilisent pas. Et surtout, les théories scientifiques, les modèles mathématiques, les systèmes mathématiques, eux aussi reposent sur des croyances. Alors, elles ne sont pas nommées croyances comme telles, mais elles ont exactement la même fonction et on appelle ces croyances des postulats ou des présupposés. Ils sont indémontrés, très souvent indémontrables, parfois pour des raisons uniquement techniques, mais on les tient pour vrais, pour ces raisons-là, parce qu'on ne peut pas les démontrer ou on ne sait pas les démontrer. Et donc en mathématiques, ces présupposés, on les nomme axiomes. Voilà, donc on va prendre un petit exemple. Prenons par exemple le cadre de la physique classique, la physique newtonienne, ce qu'on appelle encore la mécanique newtonienne. Ça a été développé donc par Isaac Newton dans ses fameux Principia Mathematica. Et donc c'est cette œuvre maîtresse qui est à la base de non seulement de la physique moderne, mais de la science moderne. À partir de Newton, on parle de la science moderne. Donc cette théorie, elle a des axiomes, elle tient pour vrai des axiomes, des présupposés. L'un d'entre eux très connu, c'est le principe d'inertie, qui s'est révélé être vrai. À l'époque, quand Newton l'a formulé, il ne savait pas qu'il était vrai, mais on a pu l'observer après coup. Et un autre axiome très important et qu'on va voir aujourd'hui, justement, plus tard, c'est que la position, le mouvement, la vitesse dépend du référentiel. Donc le référentiel, c'est ce cadre, ce repère qu'on appelle parfois repère cartésien ou galiléen, avec des x et des y, hein, et avec des dimensions spatiales et temporelles. Donc dans un cadre spatio-temporel, on définit la position, le mouvement, la vitesse. Sans ce cadre, ces notions n'ont aucun sens et ne peuvent pas être mesurées. Donc cette théorie mobilise un certain nombre de concepts, hein, de variables observables qui sont plus ou moins intuitifs, donc la force, la distance, le temps, la masse, l'accélération, la vitesse. À part la masse, toutes ces notions dépendent, sont complètement solidaires d'un système de référence, d'un référentiel, on appelle ça. Et donc, sur la base de ces axiomes, hein, on définit des relations systématiques entre ces concepts, entre ces variables. Donc, par exemple, la force, c'est le produit de la masse par accélération. La vitesse, c'est la quantité de mouvement par unité de temps, et l'accélération, c'est la variation de la vitesse au cours du temps. Bon. Et donc ces lois permettent de faire des prédictions très, très puissantes. Voilà, donc ce modèle, il est extrêmement... la plupart d'entre nous sommes quand même très familiers avec ça. Hein. On apprend même ça à l'école secondaire, hein, calculer une vitesse, calculer au moins cette loi. Et on ne remet absolument pas en question ces axiomes, à tel point que on les tient pour vrais parce qu'ils sont, ils sont évidents, ils collent avec notre perception ordinaire. Donc on n'a aucune raison et même on n'a aucun moyen de les remettre en question. Donc passons maintenant au second préjugé. Alors, le second préjugé traite de la logique et de son rapport à la vérité. Donc la logique, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup, hein, surtout en Occident, parce qu'on le tient comme une garantie de vérité. Et en fait, c'est pas tout à fait exact. La logique aide effectivement à établir une cohérence dans la théorie. Une cohérence, c'est-à-dire elle nous prémunit
contre les contradictions. Donc, si on prédit une chose et son contraire, la théorie n'est pas super, hein, faut la retravailler. Mais notez que, bon, d'une part, c'est pas forcément facile, mais c'est même dans certains cas, même pas possible. En tout cas, c'est ce que pensait Gödel dans son fameux théorème, d'après lequel il n'est pas possible, avec les axiomes d'un système mathématique, d'un système formel, d'un formalisme, on appelle ça, il n'est pas possible de démontrer avec les seules ressources internes d'un formalisme qu'il est cohérent et qu'il ne contient pas de contradiction. Donc la logique permet effectivement de développer ce système, d'articuler les présupposés ou les axiomes, les concepts avec les lois et les prédictions. Très bien. Cela dit, si un ou plusieurs postulats sont faux, les lois et les prédictions qui vont en résulter seront fausses également, totalement ou partiellement, tout en étant logiquement valides et cohérentes. Vous voyez ? Donc un système de propositions, on va dire, une théorie peut être logiquement valide, cohérente, et pourtant être fausse. Et lorsque une proposition qui correspondra à une observation qu'on a faite, par exemple, un résultat expérimental, semble complètement illogique, entre guillemets, ou irrationnel, ou impossible, ou improbable, ça ne veut pas dire qu'il est faux. Il est tout simplement en contradiction avec les postulats du modèle qu'on utilise. C'est tout. Donc on va prendre un petit exemple, parce que là c'était très général. On a parlé ce modèle newtonien, de la mécanique classique, de la mécanique newtonienne. Et bien on va justement parler de l'expérience, une expérience très célèbre qui a remis en question les axiomes mêmes de ce modèle. Donc c'est une expérience donc qui est très célèbre, encore une fois, et qui a été publiée il y a plus de 100 ans, hein, dans le American Journal of Science. Okay. Et on la nomme, elle est très connue, elle est connue sous l'expérience dite de Michelson et Morley. Hein, donc vous voyez, elle est publiée en 1887, il y a eu d'autres versions avant. Et donc c'est cette expérience qui est à la base, le résultat de cette expérience plutôt, est à la base d'une nouvelle physique qui a été, comme tout le monde sait, ou presque, qui a été proposée par Einstein. Einstein a posé les bases de cette nouvelle physique qui était la relativité restreinte et puis générale. Donc quelles sont les présupposés de cette, une forme d'hypothèse, il y a quand même des présupposés. Donc il y a plusieurs présupposés, on va en citer trois. L'un d'entre eux, le plus connu, c'est l'éther, l'existence de l'éther. Donc à l'époque, on pensait qu'à l'instar du son, des ondes sonores, la lumière avait besoin d'un support, d'un substrat pour se propager, de sorte que les vibrations de ce substrat correspondraient à la lumière. Ça, c'était le premier postulat, l'existence de l'éther. Second postulat, c'est que dans la continuité de la physique de l'époque, la vitesse en général dépend du référentiel, et cela s'applique également à la lumière. La vitesse de la lumière doit dépendre du référentiel, et ce postulat, il joue
un rôle essentiel dans cette expérience. Et enfin, on a un principe d'additivité des vitesses qui s'appliquerait également à la lumière. Donc, j'ai expliqué un tout petit peu pour ceux qui ne sont pas forcément familiers à ça ou juste pour rafraîchir la mémoire. Donc ici, vous avez un train, vous avez un observateur, ok, et on a aussi un petit bonhomme dans le train. Donc, l'observateur, il forme un référentiel, d'accord. Donc là, on a le point zéro. Vous pouvez imaginer que ça, c'est l'axe des X et là, des Y. Donc, ce train se déplace à une vitesse V, sachant que cette vitesse V, elle est définie, elle a de sens uniquement par rapport au référentiel observateur bonhomme rouge. Okay. Et ce petit bonhomme, dans le train, se déplace à la vitesse W. D'accord ? Donc il se déplace à la vitesse W, mais cette vitesse W, elle est définie par rapport au référentiel train. Ok, donc dans ce cadre, quelle est la vitesse de ce bonhomme par rapport à l'observateur ? Eh bien, c'est tout simplement la somme des vitesses dans le modèle classique. Si maintenant le petit bonhomme se déplace dans la direction opposée, c'est toujours pareil, sauf qu'on a inversé la direction du vecteur vitesse ou de la vitesse, et à ce moment-là, la vitesse du bonhomme est égale à V moins W. Voilà pour les présupposés, en tout cas trois des présupposés de cette expérimentation. Et l'objectif de cette expérimentation, c'était de détecter le mouvement de l'éther par rapport à la Terre. Donc comme on n'avait pas accès à l'éther directement, mais qu'on présupposait que la lumière faisait vibrer l'éther, eh bien on a tout simplement mesuré la vitesse de la lumière en jouant, on va dire, sur les référentiels. Et pour ça, comme on le faisait très souvent à l'époque, on a utilisé une méthode d'interférométrie en jouant sur l'alignement de deux référentiels. Je vais donner un exemple tout de suite parce que c'est très, très abstrait. Donc voilà, on a une source de lumière. Ici, on a un prisme qui va diffracter le faisceau de lumière. Tout repose sur l'orientation de ce dispositif. Hein, qui est un grand dispositif, hein, par rapport au mouvement de la Terre. Ce miroir-là, il est disposé de telle manière à ce que ce faisceau de lumière soit aligné, c'est-à-dire parfaitement aligné avec le mouvement de la Terre. Celui-ci, en revanche, il est perpendiculaire. Donc, la vitesse de ce faisceau de lumière ne sera pas égale à celui-ci, puisque ce faisceau de lumière, sa vitesse théorique, ce serait la vitesse de la lumière plus la vitesse de la rotation de la Terre, et celle-ci, ce serait uniquement la vitesse de la lumière avec des calculs avec un certain décalage. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais ceux qui s'attendaient, dans la mesure où on a une différence de vitesse de la lumière à cause, en tout cas à certains moments de la journée, ils s'attendaient logiquement à ce que l'un des faisceaux parvienne avant l'autre, et que celui-ci aurait dû arriver plus tôt et celui-ci un petit peu après. D'accord ? Donc en gros, ce qu'ils ont mesuré, c'est le délai avec lequel ce faisceau et ce faisceau ont atteint l'observateur. On va dire ça comme ça. Donc, quelle a été l'observation, le résultat de cette expérience ? Eh ben, ils n'ont observé aucun délai. Ils ont trouvé que à toutes les observations, ils ont répété les observations plusieurs fois et à l'heure de la journée, vu que à différentes heures de la journée, le miroir, donc les référentiels n'étaient pas forcément
aligné ou perpendiculaire. Donc dans tous les cas, quels que soient les référentiels et l'orientation des référentiels, c'est-à-dire du dispositif par rapport au mouvement de la Terre, on a pu observer qu'il n'y avait aucun décalage entre les deux vaisseaux de lumière. D'accord ? Donc ça a été le résultat expérimental. Donc ça, c'est bien évidemment, c'était bien évidemment en contradiction absolue par rapport au postulat, et même avec toute la physique de l'époque. Donc la première réaction quand on est devant une telle observation, c'est évidemment de la nier, de penser qu'il y a une erreur, de penser que c'est impossible et qu'il y a forcément une erreur et qu'il faut la répéter et la répéter. Et c'est ce qu'on a fait, et le résultat a été à chaque fois le même. Et le postulat qui a été dérangé par ça, c'est celui d'après lequel la vitesse de lumière devrait dépendre du référentiel. Donc ça n'a pas été le cas, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et bien en 1905, arrive Einstein, j'accélère les étapes, et il établit de nouveaux postulats, d'une nouvelle physique, pour réconcilier tout ça. Et la première, c'est qu'il n'y a pas d'éther. C'est-à-dire que l'éther n'existe pas, la lumière n'a pas besoin d'éther pour se déplacer, c'était une première chose. Voilà, je ne l'ai pas marqué. Un postulat très important et surtout très très contre-intuitif, c'est que la vitesse de la lumière est invariante. Donc la relativité, en fait, c'est une théorie des invariants. C'est la vitesse de la lumière est invariante, ne dépend pas du référentiel. Je rappelle que c'est extrêmement contre-intuitif. Si vous mesurez la vitesse d'un ami à vous qui se déplace dans un train, et que quel que soit le référentiel et la direction de son mouvement, vous mesurez tout le temps la même vitesse, vous serez extrêmement surpris. C'est extrêmement contre-intuitif. Premier axiome, premier postulat de sa nouvelle théorie, la vitesse de la lumière est invariante, et ça, c'est une constante universelle. Donc, notez qu'on n'est pas capable d'expliquer ça. On ne sait pas pourquoi. C'est juste un fait, on le tient pour vrai. Voilà, on l'a observé, c'est un fait. Et la vitesse est invariante, mais ce qui est relatif, c'est l'espace et le temps, hein, qui, eux, dépendent du référentiel, de l'observateur. Dans la littérature de vulgarisation scientifique, on ne dit pas référentiel, on dit observateur. Et le temps se dilate ou s'étire et se dilate, etc. On a une contraction ou une dilatation de l'espace et du temps. D'accord ? Donc dans ce nouveau modèle, ce qui devient absolu, on va dire, indépendant, c'est la vitesse de la lumière, et ce qui devient relatif, c'est l'espace et le temps. On a tout simplement inversé les relations entre les variables, on va dire, absolues et relatives. Voilà un petit exemple à titre intuitif. Vous voyez que les deux horloges, là, la rouge et la bleue, tournent en fait à la même vitesse. Donc, ce que je voulais mentionner, c'est que ce processus qui consiste à dénier, à renier des observations que l'on n'attendait pas, qui sont contraires à nos attentes rationnelles, à nos attentes en fait irrationnelles, parce que les axiomes ne sont pas rationnels par définition. Ils sont démontrés, indémontrables, on les tient pour vrai. Et bien, quand quelque chose va à l'encontre de nos postulats, de nos axiomes, c'est pas du tout exceptionnel que de les nier et de les remettre en question. Et je dirais même que c'est la règle. Et notez que suite à cette expérience, la physique newtonienne reste vraie. Mais on continue d'utiliser cette théorie de tous les jours, c'est simplement qu'on a délimité son champ d'application. Ça marche pour décrire le mouvement de certains objets, mais ça ne marche pas du tout pour décrire le mouvement de la lumière et d'autres objets qui viendront plus tard.
Donc, quelle est la conclusion de cette petite capsule d'épistémologie? Eh bien, c'est la suivante, à savoir que parmi les observations irrationnelles, illogiques, que l'on fait tous les jours et que l'on nie, hein, on peut être certain que certaines d'entre elles seront les axiomes de la science de demain et de notre d'une nouvelle vision du monde. C'est une loi historique. Voilà, je vous remercie pour regarder cette vidéo. Merci de mettre un petit pouce bleu, merci de me suivre et de m'encourager. Et je vous dis à très bientôt.